Gatien Adjagboni, deuxième adjoint au maire Cotonou, a procédé à l'ouverture des travaux de la quatrième session ordinaire de la municipalité. C'était ce lundi 28 octobre 2024 en présence des élus communaux. À cet effet, plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour, compte rendu avec Latifat Kowenou et David Yemé. Je déclare ouvert les travaux de la quatrième session ordinaire du conseil municipal de la ville de Cotonou. C'est la quatrième session ordinaire de la mairie de Cotonou qui vient d'être lancée ce lundi 28 octobre 2024 par le deuxième adjoint au maire, Gatien Adjagboni. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Présentation du rapport trimestriel d'activité du maire. Présentation et validation du rapport trimestriel d'activité du conseil de supervision. Présentation et validation des rapports d'activité des commissions permanentes. Validation du projet de budget N+1 et des annexes. Communication relative aux missions du maire et autres délégations de la commune de Cotonou en dehors du territoire national pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Validation de la convention de sponsoring entre la commune de Cotonou et la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. Autorisation de déploiement du système de modernisation du recouvrement des recettes non fiscales des collectivités territoriales. Autorisation des déclarations d'utilité publique des domaines retenus pour la construction et l'aménagement des aires de jeu. Virement de crédit de chapitre à chapitre dans la section de fonctionnement et dans la section d'investissement. Compte tenu de l'importance des différents points à l'ordre du jour, le représentant de l'édile de Cotonou invite les conseillers municipaux à un travail minutieux. Je vous invite à plus d'attention et surtout à plus d'implication pour nous permettre d'atteindre les objectifs fixés. La quatrième session ordinaire se clôturera le mercredi 30 octobre prochain.